Eh bien, bonjour tout le monde, c'est NBAD et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois on s'est laissé après avoir regardé ce souvenir là, c'est même deux souvenirs là, donc ce souvenir juste là, Zelda et Sonia, et le souvenir feinte soumission de deux salles d'ambiance. Vraiment, l'un où c'était totalement Ganon qui mentait au roi. Et l'un où c'était une totalement autre ambiance où ça discutait entre Zelda et Sonia. Et voilà. Et je me suis dit, bah franchement, j'aime trop regarder les souvenirs, c'est mon petit kiff quand même. Du coup, je me suis dit, faisons un peu la chasse aux souvenirs. Donc, la dernière fois, on avait fait aussi le dragon. Donc, en gros, j'étais là, j'ai vu qu'il y avait un souvenir là-bas, un géoglyphe là-bas. Donc, je me suis dit, allons-y. Et ensuite, ce que je me suis dit, c'est que allons attendons une rune qui tombe pour monter et tout observer. Il y a une rune qui est tombée. Enfin, je sais pas si c'est une rune, mais enfin bref, un débris quoi. Un débris est tombé rapidement, donc on va pouvoir faire ça. Je vais monter là. Et on est parti pour observer tout ça. Hein. Parce qu'en plus il fait nuit, donc c'est pratique. Et quand il fait nuit, on voit plus facilement les runes. Les géoglyphes, pardon, donc celle-ci, c'est celle qu'on vient de regarder. Ensuite, donc il y a celle-ci qui m'intrigue pas mal. Non, ouf, il m'a fait peur lui. Donc il y a vraiment celui-là qui m'intrigue pas mal et que j'ai déjà ping. Je pense qu'on va déjà se diriger par là, ça pourrait être pas mal. Ah, il y en a une là-bas aussi, d'accord. Je vais essayer de la ping. Donc juste là, d'accord. Ah, mais c'est juste à côté. Ah oui, c'est le fameux endroit où il y a Impa, d'accord. Je pense qu'on peut se la faire quand même. Oh, je vais éviter parce que celle-ci, je pense que ça va. Si je regarde le souvenir, peut-être que ça va trigger Impa. Ok, celle-ci. J'en vois pas d'autres pour le moment. On trouvera sûrement d'autres plus tard. Hein. Y a pas de souci. Du coup, bah, je pense que je vais essayer d'aller vers le relais. Oui, d'ailleurs, ce relais-là, c'était un relais que j'avais fait en off il y a longtemps, d'ailleurs. Mais ouais, c'était un petit relais. Du coup, on va essayer de partir de là et aller jusque là et faire un peu tout ce que je trouve sur mon chemin. Genre, je me demande vraiment ce que c'est ça. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ce serait pas... Parce que je me souviens très bien... Enfin, je me souviens que dans Breath of the Wild, la sagesse était là, dans ces environs-là. Je sais même plus ce que c'est, cette étoile, mais... En tout cas, je sais qu'il y a... Ah non, ça, c'est une tour. Je sais que c'était dans ces environs-là. La force, je sais plus. Enfin, la force, on l'a faite, je crois. La force, la source de la force, on l'a faite. Et la source du courage, je me souviens plus où c'est par contre. Je me souviens plus trop où c'est. Bref, pas grave. Du coup, si tu trouves la source de la force par là, je ne dis pas non dans l'idée. Ouais, ça ressemble à ça, une source, d'accord. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une ici qui ressemble? Genre là, peut-être. Bref, il y a sûrement une source par là, je suis quasiment sûr. Quasiment sûr de moi. Bon bref. Trêve de bardage et continuons notre chemin. Allons vers le... Allons récupérer notre cheval. Alors que j'étais en train de tourner au relais, j'ai trouvé un dragon qui était juste là. Ça a l'air d'être... Je sais pas quel type de dragon, mais... Ouais, comme ça, je dirais que on dirait qu'il a jaune, il est jaune comme la foudre. Bref, continuons. Récupérons notre cheval. Mon cheval 0.1. C'est parti. Allez. Je vais suivre le chemin, enfin, pour aller jusqu'au. Je vais suivre le chemin pour aller jusque là, tout simplement. En pont de Tamonta. J'espère qu'il y a un chemin où on n'est pas obligé de vraiment traverser le village Piaf, ce serait sympa. Comme ça, pas obligé de nous taper la quête, tout ça. Moi, je veux juste aller au souvenir pour m'en faire deux ou trois dans cet épisode. Après, je vais pas faire que des souvenirs parce que sinon, il m'en restera plus, mais je voudrais bien en faire quelques-uns quand même. Ce serait plutôt sympa. Ok, bon, moi, je vais suivre le chemin, tout simplement. Je crois qu'il y a déjà ce genre de mecs qui m'ont persué, c'est pas grave. Hein. Je vais réparer ça vite fait. Tout simplement. Facile. Et voilà, je sais, je suis trop fort.
20 rubis, 20 rubis, d'accord. Ça, je m'en fiche. Et ok, si tu veux, j'en ai combien d'ailleurs maintenant? 11, ça commence pas mal. Il y a juste un personnage qui m'intrigue qui est juste là. Je me demande qui c'est. Je vais m'entraîner aujourd'hui encore parce que je veux devenir un immense Gary Piaf. Gary Piaf? Hein, mais t'es qui toi? Non, d'un mec, imagine que tu m'as entendu parler tout seul, la honte. Tu veux devenir un grand guerrier toi aussi? Non, les Piaf, quand on se bat contre les monstres, il faut qu'on arrive à maîtriser les courants d'air. C'est pour ça que je m'entraîne ici tous les jours. Tu veux savoir en quoi consiste mon entraînement? Je parie que t'as super envie de que je t'explique. J'utilise mes puissantes ailes pour repousser et faire rétro-pédaler les balles qui volent dans ma direction. Les balles qui volent dans ma direction. Ouais, je vais essayer. Trop bien. Tu vois cette superbe tour là-bas? On l'a construite exprès pour ça. Le type sur la tour, c'est Tabult. Je l'ai embauché. Tabult. Ouais. Je l'ai embauché pour m'aider. Tabult va m'envoyer des balles par ici. Et l'objectif est de les faire rétro-pédaler jusque dans le panier mobile. Une fois, un total de 12 balles vont voler vers toi. Les vertes valent 1 point et les rouges en valent 3. Ok, t'as le droit d'utiliser tous les outils ou pouvoirs à ta disposition pour les envoyer, même les plus rétro. Bah vas-y, autant essayer. C'est parti pour essayer. On va voir ce que ça donne. Clairement, je vais utiliser vachement le rétrospectif, je pense. C'est parti pour être ready. Attends, mais comment je fais ça, moi? Ok, nickel. Ça nickel, nickel, ça passe. Bon, c'est pas mal, j'ai l'impression là, mais bon, il est plus rapide, c'est assez traître. C'est hyper traite même. Nickel. Bon bah je crois que ouais, je les ai toutes fait. Incroyable. J'ai fait tous les trucs. Piouf. Piouf. Au moins j'ai fait l'exercice avec ces histoires. Ouais, j'ai réussi à tout rattraper. Je suis assez content de moi. C'est pas mal. Uniquement avec rétrospective. Et ça c'est cool. Mais c'est sûr que c'était rétrospective qu'il fallait utiliser. Alors, t'as marqué 20 points, mais ce score est absolument génial. T'as fait même mieux qu'un Piaf, dis donc comment tu te débrouillais? Ouais, 100 rubis, c'est cool, mais... Je pensais que ça donnait aussi une lance régime, mais on dirait que tu peux pas porter. Ok. Je vais la prendre parce que ça fait tout simplement une nouvelle arme. Et en plus, ça, c'est mort, donc enlevons-le. Merci, c'est gentil. Wesh, trop bien. Attends. Chacun de ces coups rapides produit une puissante bourrasque. Ah, c'est trop bien, ça fait du vent. Bah, c'est trop bien, je le garde. J'aime bien. Pour les aînés, ça va être cool pour les renvoyer. Bref, continue notre chemin avec notre cheval, notre superbe cheval. Notre chemin tout tracé. Je vais prendre ça. Et puis voilà. Allez. Alors, je me baladais dans un chemin. Et là, j'ai vu un grand trou. Enfin, je me lentais. Je me suivais tout simplement le chemin. Et là, j'ai vu un grand trou. Ah, je pensais que c'est... Sur le coup, j'étais persuadé que ça allait être une abîme. Parce que, bon, après, il n'y avait pas de... C'est vrai qu'il n'y avait pas de miasme. Mais j'étais persuadé que ça allait être une abîme. Apparemment, non. Voyons voir ce que c'est. En tout cas, petite musique sympathique. Et ça, c'est cool. Ah oui, c'est lui qui joue, en fait. Oh, une quête incroyable. Je vais allumer le feu, juste pour me dire que j'aime le feu. Et lui faire peur, MDR. Oh, tu es venu à ma rescousse. Je suis venu t'aider, bien évidemment. Merci mille fois. Je m'étais mis en route pour apporter des vivres et le son de mon corps au village Piaf qui est confronté à une terrible tempête. Mais alors que je venais de partir, le sol s'est ouvert devant moi et je suis tombé dans cette énorme fosse. Mon cheval s'est fait la malle et je ne sais où
je ne sais où et mon chargement est fichu. Ah, mon cheval s'est fait la mal, je ne sais où et mon chargement est fichu. Il ne me reste plus que mon chariot. Et en plus, il pleut, je suis trempé, j'ai froid, quelle angoisse. J'arrive pas à escalader la paroi et quand même j'y arriverai, je ne veux pas partir sans mon chariot. Ok, je suis raconté de... Bah, je me demande bien comment on va sortir de ce trou. Alors. Déjà, on va faire ça. Ensuite, on fait ça. Ah, mais. Ah, bah oui. On peut faire une rétrospective, peut-être. Je sais pas. Non, non, je dis n'importe quoi. Je pensais qu'on allait pouvoir faire une rétrospective du. Bah, du chariot, même avant qu'il tombe. Bon. Ça paraissait un peu éloigné quand même. Hein. Mais la technique, si je fais ça, enfin, perso, la technique que je pense, enfin, la technique que je vais faire, si on fait ça. Par contre, là, il y a la pluie qui va me saouler, mais bref, on fait ça. Oh non, je le déteste. Je le déteste. Que là, il n'y a pas de pluie. Dis-moi que là, il n'y a pas de pluie. Dis-moi que c'est un jeu réaliste et qu'il n'y a pas de pluie. Ok, nickel, ça va le faire, je pense. Et oh là, le jeu, s'il te plaît. Merci. Ensuite, je me mets là. Je fais rétrospective et je le récupère ensuite. Tout simplement. Voilà, voilà. C'est la. Je pense que c'est littéralement la technique que je fais. Hein. Et qui marche, clairement. Voilà. Déjà, le chariot, il est dehors. Et attends. Tu ne peux pas l'emmener comme ça, oh. Non mais hé, moi aussi j'ai une sortie de ce trou. Mais t'es pas drôle. Tu veux pas monter dans ton chariot s'il te plaît? Ah bah merci. Ok merci. Bon bah je rebelote, c'est reparti pour refaire la même chose. On est reparti. Plus qu'à attendre du coup qu'il monte là. Merci. T'inquiète. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, t'inquiète pas. C'est bon, tu es plus dans le fossé. Incroyable, non? Ça, c'est... Ça, c'est français. Bon, je sais plus ce que c'est la ref. C'est pas mal, c'est français. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouah, je suis enfin sur ce maudit trou. Effectivement, je... Ouais. Attends. Maintenant que je pense, tout s'est joué quand le cataclysme a frappé le royaume. Ouais. Les bribes abattues. C'est une troupe de musiciens. Waouh, 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 waouh. Trop bien. Troupe de musiciens, ça me rappelle les fées. Donc on a peut-être fait une mission qui va nous permettre d'avoir les fées. Mais en ce moment, je crois qu'ils sont du côté du relais de la forêt dans la région d'Ordine. C'est pas tout près. Je les rejoindrai dès que j'aurai rendu le chariot que j'ai emprunté. Et une fois que la troupe sera complète, on fera vibrer le cœur et les oreilles d'un tas de gens. Oh, mais où sont mes manières? Ok, nickel. Oh, ça c'est bien en plus. Meilleure quête, je suis très content d'avoir fait cette quête. En plus là pour l'effet ça va être parfait. Limite là, dès que je trouve un sanctuaire, je fais un petit aller-retour au relais de la forêt pour voir où, s'ils sont là. Bref, continuons. Je vais quand même continuer en chemin avec le cheval. Allez, on est parti. Let's go. Oui, le chemin, il est là. D'accord, là il est là. Je pense qu'il faut, ouais, faut que j'aille par là. Je vais vers l'est, c'est parfait. Je suppose que c'est par là. Alors, encore un dragon devant mes yeux, c'est le dragon de la glace, donc je pense c'est celui de la sagesse, je dirais. Je pense que c'est celui de la sagesse, ouais. Parce que le feu, c'est la force, la glace, c'est la sagesse. Et la foudre, ça doit être le courage, je pense. Pas sûr de moi, mais ça doit être ça. Bref, continuons notre chemin. Oh, le village épiève qui est juste là, incroyable. On a déjà bien avancé. Tout à l'heure on était là, on a tout remonté et il y a encore un panneau. Il est relou mais avec ces panneaux mais bon. Oh, c'est la fois que c'est une des premières fois que je vois un panneau. Enfin, la première fois que je vois un panneau horizontal. Ça change un peu. Je pense avoir fait quelque chose de bien. Allez. Oh tiens, comme par hasard, il tient. Un rubis rouge. Ouais, à la rigueur, pourquoi pas, pour les piafs. Et une fer bombe, ça j'aime bien.
Tchuss. Waouh, le chemin il est tout petit, j'espère que mon cheval va passer. Et j'espère. Sinon, parce que grand flemme de continuer à pied là. Alors, non, je pensais pas y aller au triple galop non plus pour un pont aussi petit, donc non. Alors je préfère pas, je vais bien au milieu, je fais ça. On est parti, et on est parti. Ok, donc il sait le traverser, mais il y va très doucement. Et j'ai même pas le droit de tourner. Ouais, j'ai pas le droit de tourner. Qu'est-ce que je fais si je fais ça? Ouais, non, ça il s'arrête. Bref. Pleine de le tuer, continue notre chemin. Alors que le froid commence à être insupportable, je continue mon chemin. Et j'arrive à un nouveau relais incroyable. Oh, j'aime trop le bruit de la neige. Je sais pas, mais oui, j'aime bien le bruit de la neige avec le cheval est trop bien. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il est trop bien. Bref, je regarde juste un petit peu par là pour savoir s'il n'y a pas quelque chose de caché ou quoi. Ah, il y a un sanctuaire juste au-dessus par contre. Effectivement, il s'agirait de prendre le sanctuaire. Bon, allez, je descends au sanctuaire et ensuite je descends au relais et ensuite on va au sanctuaire. Alors, qu'est-ce que c'est? La gazette des bois. Oui, du coup, c'est vrai que c'est plus un sanctuaire, c'est une gazette des bois. Oh, la musique est pas la même en plus, elle est trop bien. J'aime trop. Bon, bah, je vais lui parler quand même. Oups, je me suis endormi. Je dois récupérer quelques fagots de bois. J'ai bien compris que les pommes de pin d'Hyrule ne faisaient pas l'affaire. J'ai pas envie, mais faut y aller. Ah, bienvenue au relais des piafs. Ah non, pas du tout, ici, c'est la gazette des bois. Ouais. Je m'occupe juste de la maintenance. La gazette des bois, c'était mon relais avant. Oh non, trop triste pour lui. Mais la vague de froid a fait des ravages, nos clients sont partis. Ouais. Ouais. J'ai fait pas mal d'erreurs, par exemple, j'ai récemment fait brûler une pomme de pin. Les pommes de pin, depuis quelques temps, on trouve de plus en plus de pommes de pin d'Hyrule dans les parages, ça doit être le climat. On a jeté une dans le feu et elle a brûlé bien plus intensément que prévu à cause de l'huile qu'elle contient. C'est comme dans la réunion en plus, ça. Elle s'est enflammée avec une telle furie. Férocité que ça a créé une tornade. Ah, pas ce point là non plus. Tous les journaux se sont volés. Ok. Si tu tombes sur une pomme de pin d'Hyrule, je te conseille de la jeter dans le feu. C'est marrant, j'ai envie d'essayer. C'est marrant, j'ai envie d'essayer. En plus, j'en ai quand même pas mal les pommes de pin. Faut juste que je les trouve. Mais il aurait jamais dû me dire ça parce que là, j'ai une faire qu'une chose, c'est essayer. Ah, pomme de pin. J'en ai 5 en plus. Waouh. Ouais, oh, moi qui disais que c'était réaliste, non, j'abuse un peu, mais c'est stylé en tout cas. C'est très bon tips, genre. Quand j'aurai peut-être un jour une paravoile, c'est un très bon tips. Ah là là. Bon, oh, une quête. Je vais quand même d'abord... je vais d'abord faire le sanctuaire. Et ensuite, je reviens ici. Quel est le panneau? Zone d'exercice de vol, accès au mont enneigé. D'accord. Moi, ouais, je vais aller au sanctuaire. Ok, sanctuaire, Olom ou Aka. Let's go, passer juste au-dessus, MDR. Il est vraiment trop bien ce bouclier. Question de propulsion. D'accord. Ah oui, effectivement. Question de propulsion. Y'a pas quelque chose à apprendre par contre là. Pour juste faire ça. Le poser comme ça. Et le faire partir. Ouais, c'est vraiment juste ça en plus. C'est littéralement juste ça. Littéralement. Bon bah je vais continuer. Hein. Et je me suis fait un petit chariot là pour monter. C'était bancal, mais ça a fonctionné, c'est tout ce qui compte. Du coup, je suis là-haut. Du coup, je suis là-haut. Donc, il y a encore des propulsions. On n'a toujours pas de coffre en vue, malheureusement. Ah, si, là-haut, on était sûr qu'il allait être en hauteur. Et ouais, on voit. Ok, le coffre il est là-haut. Je vais tenter Je vais tenter quelque chose. Ok, je vais tester ça. Contre, il faut vraiment que je sois pile en dessous.
pour que ça marche bien, genre. Comme ça, peut-être. Ouais. Comme ça. Ça me paierait pas mal. Pourquoi il est parti sur le côté comme ça? Là, c'est parce qu'il était dévié. Bon bah, à refaire. Et deuxième tentative. Wow. Wow. C'est la mort, je crois. Ok, encore un essai. Parce qu'effectivement, c'était la mort. Bon, au moins, je suis en vie, c'est tout ce qui compte. Ok, encore un essai. D'accord. Je vois l'idée. Ah, yes. JPP. Allez, let's go. Et c'est parti pour faire ça. Pour être prêt. Et ensuite faire un saut. Et mourir maintenant. Vas-y, JPP, sérieux. Encore un essai. JPP, sérieux. Ouais, vas-y, j'en ai marre. Encore un try, j'en ai marre, c'est un épisode où je suis des try en fait. Genre vraiment. Merci pour une fois que c'était un truc pas mal. Mais c'était quoi ça? Normalement là c'est bon. Là si c'est pas bon, je comprends plus rien. Merci. Je savais pas qu'il fallait être ingénieur en force mécanique. En physique quantique, mécanique, des fluides, tout ce que vous voulez pour juste avoir un rubis nul là, c'est aberrant. Bon là, heureusement, j'ai tous les coffres, hein. Ah là là, sérieux quoi. Bon, et qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller là, d'accord. Allez, je pense que si j'assemble les trois, ça va le faire. Non. Ok, est-ce que ça a marché? Je ne suis pas sûr, mais qui ne tente rien à rien. Oh, ça marche hyper bien en fait. Genre vraiment hyper bien en plus. Je pensais que j'allais tourner dans tous les sens, mais finalement c'est marché. Ça a bien marché. Bref, j'en ai marre de ce sanctuaire, il m'a saoulé avec son coffre là. Allez, je... Enfin fini. Ça nous fait une cinquième lumière faisante, je crois. Ouais, c'est ça. Nickel, on va pouvoir augmenter. Je pourrais augmenter ma vie, c'est cool. Nickel. D'où t'as pris des dégâts alors que tu glisses. Même dans la vraie vie, on est plus résistant que ça. Et allez, on continue notre chemin vers l'est du coup. C'est qui part. Avec notre cher cheval. Cette fois-ci, on part vers l'est parce que, ouais, on est venu de là, vers le sanctuaire, et là, on part vraiment vers l'est. Et ça, c'est cool. C'est vraiment pas mal. Oh, par contre, il y a une petite cabane fort sympathique. Avec des notes incroyables. Recherche de champignons mousquet. Ma sœur et moi sommes venus ici en mes bras pour chercher des champignons. De nombreuses grottes se sont formées dans les environs, probablement à la suite du cataclysme. Ok, donc il y a clairement une grotte dans les... Ouais, il y a une grotte juste là. On peut y trouver pas mal de choses de valeur, comme des graines de mousse ou des gisements. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est ce fameux champignon qu'on ne pousse que dans les grottes. Ok, je vois. C'est parti. Ah là là. Muska, s'il te plaît, je ne le sens pas cette grotte. À cause du cataclysme des grottes, il y a un peu partout. Ouais. Parce que celle-là, tu vois, je suis sûr qu'elle grouille de créatures qu'on ne connaît pas. Et si je dois être honnête avec toi, j'avais déjà pas très envie d'être ici, mais là, c'est juste trop. Allons, on a fait toute cette trotte. Le moins qu'on puisse faire, c'est cueillir les champignons dans la grotte. On est venu pour ça, après tout. Et est-ce qu'il faut que je te rappelle qu'il ne pousse que dans des grottes? Puis regarde, on est arrivé ici en un seul morceau. En tout cas, moi, tant que je n'aurai pas mes 10 champignons, je ne bougerai pas. Allez, viens, s'il te plaît. Non, si tu viens vraiment explorer cette grotte, alors tu n'as qu'à y aller toute seule. Mais non, il faut qu'on le fasse ensemble. Oh, cette odeur, cette lumière douce. MDR, j'ai déjà des champignons. Mais t'as des champignons, toi? Si tu veux t'en débarrasser, nous, on en veut justement 10, si tu veux bien me les donner. Ah là là. Merci, et tu croyais quand même pas que t'allais me le donner pour rien. Tiens, voilà pour ton échange. Merci. Enfin, c'est quand même extraordinaire que tu aies tellement de chance. Ouais. Ouais, plein de trésors.
Ah, Muscat, tu penses à ça? Ben oui, c'est exactement à ça que je pense. Mais il faut pas rêver non plus. Oui, pour une fois, on est d'accord. Désolé, mais on a décidé de ne parler de ça à personne. C'est un secret qu'on a entre sœurs. Dans ce cas, on pourrait bien faire une exception. C'est vrai, si jamais on le revoit, alors ce serait le destin. Et là, on serait bien obligé de lui dire, tu crois pas? Donc, Muscat, il t'a tapé dans l'œil ou quoi? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Ouais. On cherche un truc dans la région des bras. On a fouillé le sud, alors on va passer au nord. Et si on te revoit, on te parlera de ça. À plus peut-être. On cherche un truc dans la région des bras. On a fouillé dans le sud, alors on va passer au nord. Ok, donc faudrait que j'aille au nord. Je pense que ce sera noté sur la map. J'espère. Ouais, il y a une quête, donc c'est-à-dire que c'est forcément noté sur la map. Et non, c'est pas noté sur la map. Elles ont ajouté qu'elles partaient dans le nord de la région des bras. Bah, faudrait que j'y retourne. Et bref, j'ai quand même une caverne à explorer, moi. J'ai quand même une caverne à explorer. Ah oui, c'est marrant parce que comme il y avait une quête qui était en cours, bah il n'y a pas marqué grotte au champignon, il n'y avait pas marqué ça. Bref, on s'en fiche. Tout ce que je veux savoir, des trucs comme ça. Ok. Bon bah je vais explorer tout ça. Hein. Oh, bah je vais me balader dans la grotte et je suis tombé sur ça. Ça veut dire encore un coffre de lambda et donc une tenue incroyable. C'est trop bien. Vraiment, les grottes, elles cachent toujours quelque chose et ça, c'est trop bien. Vraiment. Ça, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Robe du blizzard. Attaque glace froid. Attaque glace super. Enfin, bon, ok. Autrefois portée au d'anciens rituels, cette robe taillée dans un matériau réfrigérant génère une attaque glaciale quand elle est exposée dans un milieu très froid. D'accord. Je vois. Bah c'est stylé. Bon c'est pas aussi incroyable que je m'y attendais. Je pensais à un truc de garde ou quoi, des trucs comme ça, vraiment les trucs vraiment exceptionnels. Mais bon c'est très ok. Donc c'est un truc unique, moi ça me va. Allez, je continue à explorer tout ça. Ok, j'ai eu l'Elusis là. Ouais, il est juste en bas, je l'ai eu. Il a tout dégringolé. J'ai combien de Gemnox? 51, nice. Donc, réplique une quête qui me demande 50 Gemnox. Et je suis content. Ouais, sinon. Bon, bah, une grotte fort sympathique, rapide à faire en plus. Donc, c'était cool. Incroyable, maintenant il fait jour. Quelle chance. Bon, je crois qu'il est. Ouais, il est à côté le. Le souvenir est juste à côté, on aura quand même le temps de le faire cet épisode. J'aime bien au début d'épisode, j'ai dit ouais, ce serait bien si on pouvait faire deux ou trois. Déjà, si j'arrive à en faire un épisode, je suis content. Apparemment, il y a un autre truc juste là. J'ai jeté un coup d'œil, oui, parce que je papillonne à mort. Hein. Moi, je vous le dis, je papillonne à mort, j'arrive jamais à faire qu'un seul truc. Encore une caverne, ouais, vraiment, grotte de Tabanta. Ah bah apparemment je peux pas y aller. À part s'il faut juste monter comme ça. Ouais faut peut-être juste monter comme ça. Il va me saouler je suis sûr parce que j'ai pas la bonne arme. Ouais bah... Ça glisse ça? Ah je savais pas. Ok. Les stalactites par contre là, faut faire gaffe. Oh il y a du monde eh. Il n'y a plus personne. Lance militaire, d'accord. Je vois. Ouais, je peux enlever ça du coup, parce que c'est juste un truc amélioré. Ok, nickel, Gemnox. Bon, j'arrive pas à péter ça, je sais pas si c'est plus tard que je... Enfin, je sais pas du tout. Bah, c'est... Ok, eux, je peux les péter par contre. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Avec un petit coffre fort sympathique. Oh mais j'en ai marre de ça. C'est pas que ça me sert à rien mais presque. On va remontons. T'es mort. Merci. Merci, merci. Et je vais pouvoir péter ça. Oh, des topazes. Incroyable. Bon, on a fini la grotte, c'est parfait.
Et je peux remonter par là, c'est clairement un endroit qui est fait pour remonter. Ça se voit, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Et moyen, clairement. Oh, un linel. MDR. C'est mon moyen l'endroit. Et là, je tombe sur un linel. C'est un bleu. Ouais, c'est un bleu. Je vais essayer de me le faire, tiens, vite fait. Je suis sûr, il y a un monde. Il y a un monde où je peux tenter quelque chose si je m'approche doucement là. Vite fait, bien fait. Et que j'utilise mes meilleures armes pour le buter. Il y a sûrement un monde. Je vais sauvegarder avant quand même. On va pas abuser. Mais je vais me le faire. Alors je sais pas si c'est ma tenue, mais j'ai l'impression que les herbes ça cache bien. Genre vraiment quand on se met dans les hautes herbes, j'ai l'impression que Lunel ne nous voit pas. Enfin, difficilement en tout cas j'ai envie de dire. Bref, attaquons-le. Donc peut-être je vais peut-être enfin réussir à m'approcher de lui discrètement parce que là ça fait 15 fois que j'essaie. J'ai toujours pas réussi. Non, non mais je vous dis que j'ai réussi. Aberrant, vraiment aberrant. Là, je pouvais monter dessus, mais bon. Bref, le jeu voulait pas, malheureusement. Ok, deuxième try. Maintenant, il crie. Je pense que là, si j'arrive pas à monter dessus, il y a un problème là. Ok, nickel. Ensuite, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on équipe la meilleure arme, à savoir celle-ci, voilà. Et ce qu'on fait ensuite, c'est que on prend un plat d'attaque, simplement. Et on essaie un minimum de s'équiper en froid, hein, faut pas abuser non plus, genre. Parce que maintenant on s'en fout, on est full attaque et on a plus besoin d'être discret, donc c'est parti pour faire. Ah mais il est où Mon doublé. Je suis aveugle. Ah oui, il est là. Allez, nickel. Ouh, il a eu mal, hein. C'est pas pour dire, mais je crois qu'il a eu mal. Hein. Parti pour prendre, genre par exemple, ça allez. C'est parti. Alors je vais prendre ça maintenant. Ouais, ça me paraît pas mal. Et je vais prendre un meilleur bouclier, genre comme... Oh, c'est parce quoi si je fais ça? De toute façon, j'ai plus de batterie, d'énergie sonore. Nickel. Ouais, je vous passe les détails. Ok, ça sent la fin du fight. Ça sent la fin du fight. Let's go, il est mort, je crois. Let's go. Alors, je suis mort une fois, mais bon, ça va. Faut que l'avoir en deux fois, c'est correct. Bref, ça, son bouclier linéaire, je le garde. Ouais, je le garde, il est très bien, son bouclier linéaire. Son arc, son sabot, je le prends. Son arc du ciel, bien évidemment que je le prends. Bien évidemment, tu as cru quoi? Bien évidemment, ça... Épée de garde, voilà, je pense que c'est pas ouf, ouais, c'est que 10, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, je garde, toujours utile, on va dire. Et puis voilà, c'est tout. Bon, bah, petit linel vaincu, c'était cool. Et on va retourner sur le chemin, bien évidemment, pour aller vers le souvenir, qui est toujours là-bas. Oh, tiens, c'est marrant, une petite maison. Bon, allez, je fais la maison, et ensuite, là, on est juste à côté, je fais le souvenir. Par contre, l'armure est stylée, au fait. J'aime bien. Bref, il y a sûrement du monde dans la petite maison. Qui est là, Jogo? Oh, on voit un sanctuaire à gauche d'ailleurs. On serait venu nous aider. Qu'est-ce que tu racontes? On entend toujours les cris des monstres. Tant qu'on entend les cris des monstres, il ne faut surtout pas ouvrir. Attends, mais quel monstre tu me parles là? Examiner. Ouah, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces monstres? On ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on a ici, c'est des boucliers de glisse et des remèdes pic-pic pour nous réchauffer. Si les monstres attaquent, on est fini. Je n'aurais jamais imaginé qu'on se retrouverait dans une telle situation juste en prenant une pause. Ah, j'espère que ces monstres vont vite s'en aller. Mais ils sont relous. Il n'y a plus de monstres. Ah, si. My bad. Je ne les avais point vus. Comment te dire que ils sont pas très... incroyable. Je pensais que juste il fumait en fait. Genre très fort, mais c'est bon en fait.
il y avait bien des monstres à côté. Par contre, l'arme qui fait très mal, ça c'est cool. C'est quoi comme arme déjà? C'est un gourdin nouveau. C'est vrai que les gourdins nouveaux souvent ont pas mal de durabilité et ça c'est cool. Allez. Il y a quelqu'un en soi. D'accord. Ouvre. Merci. Tu as chassé les monstres. Merci de nous avoir sauvés. Pour nous abriter du froid, on est entré dans cette cabane vide, mais on s'est vite retrouvé encerclé par les monstres. Allez, toi aussi, tu pourrais le remercier. Oh, je ne pensais pas que quelqu'un viendrait à notre secours. Tu nous as sauvé la vie. Les monstres se sont fait plus nombreux après le cataclysme, alors j'essayais d'être prudent, mais je ne sais pas si c'est un remerciement appropriés, mais prends ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu connais la glisse du surbouclier? Oui, je connais. Oui, évidemment, après tout, tu es arrivé dans ce coin recouvert de neige. Normal que tu connaisses la glisse sur bouclier. Après avoir brandi son bouclier, il suffit de sauter, ouais. Mais il faut y mettre de l'élan. Oui, mais je connais, hein, t'inquiète pas. Ok. On est venu ici, parce qu'on veut dire qu'une glisseuse légendaire vivait sur le mont Ebra au Nordi. D'accord. Bah nickel, hein. Nickel, nickel. Petite quête qui est commencée et faite direct. Bon, bref. Allez, tchuss. Bon, tout ce que je sais, c'est que alors, je me demande si le ça des filles qu'il y avait là est le même que le ça du couple qu'il y a là. Genre, la glisseuse qu'il y a au nord. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être lié. Bref, on va enfin pouvoir s'attaquer aux souvenirs. Hein, ce serait pas mal. Après, on va pas se cacher, on a fait un joli chemin. On est parti de là, on a fait tout ça. On a fait tout ça, on est remonté par là et on a fait le sanctuaire pour aller jusqu'au. Ah, c'est vrai qu'il y a une quête à la Gazette des Beaux aussi, il faudrait que je la fasse. Parce que je suis parti direct, mais c'est vrai que j'ai juste parlé au vieux monsieur. Mais ensuite j'ai même pas fait la quête. Bref, ils sont les. Ok, c'est là-haut. Bon bah je vais trouver ça tout de suite. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, moi aussi je suis pressé, donc je vais juste trouver direct l'endroit où c'est. Enfin direct. Je vais chercher hein, mais vous n'avez même pas à attendre, incroyable. Nickel, j'ai trouvé ça vite fait. Souvent j'ai l'impression que c'est dans des endroits un peu particuliers, genre par exemple une larme ou des choses comme ça. Du coup j'ai réussi à trouver nickel. Cool ça. C'est très très cool. Je regarde sur où on est. Genre sur la map. Ouais. J'ai enlevé le ping, mais ouais, on est là. Ça me paraît logique. Genre, si on suit le pattern, bah il y en a un là. Je suis sûr qu'il y en avait un aussi là. Bref, il y en a un peu partout et c'est assez cool. Il y en avait 10. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5. On est en train de faire notre cinquième, incroyable. On a fait quasiment la moitié. Enfin, on a fait la moitié littéralement. Allez, je me tais. C'est bien ça. Tout est différent. Je ne reconnais rien du tout. C'est le paysage oublié d'un passé fort lointain, un passé légendaire. Est-ce possible? Je suis revenue à l'époque de la fondation d'Hyrule. Ta surprise est naturelle, Zelda. Nous la partageons. Mais tu possèdes une pierre occulte qui soumet le temps à ta volonté, tout comme Sonia. Je ne remets donc pas ta parole en doute. Allons, c'est la pierre qui t'a convaincu. J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part. Zelda possède nos deux pouvoirs, Aoru, celui du temps et celui de la lumière. En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang. Tu as raison. À présent, voyons un peu. Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi.
J'imagine que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible. Oui. L'heure est grave là d'où je viens. Une catastrophe se produira bientôt. C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite. Mais j'ignore comment m'y prendre. Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici. Allons, allons. Nous réglerons ces questions en temps voulu. En attendant, tu es la bienvenue au château. Non, je ne saurais... Nous te présenterons à la cour comme une parente éloignée. Ce n'est que la vérité, après tout. Tu pourras te changer au château. Crois-moi, les réponses viendront. Laisse-toi un peu de temps. Je vous suis redevable. Mais oui. Maintenant que j'y pense, Minéru saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels. Minéru, vous dites ? Oui. Minéru est très versée dans l'étude du savoir du peuple Sonao. Tout comme Sonia et moi, elle possède sa propre pierre occulte. C'est aussi ma sœur aînée. Ok, alors déjà je préfère un truc, c'est que c'est un des premiers souvenirs, je pense, en termes de chronologie, parce que je pense que déjà elle a la tenue, des prodiges, enfin une espèce de tenue des prodiges bleue, donc c'est clairement un des premiers souvenirs, dès qu'elle est remontée dans le temps. Ouais, c'est le 4, alors que, ouais, clairement, là il y a le secret, enfin, il y a le secret de l'épée légende, ça c'était juste après... Breath of the Wild, ça c'est après Breath of the Wild, c'est juste après, enfin vraiment c'est la suite, c'est le début de TOT4 simplement. Et il y a un souvenir, je l'ai pas encore, mais juste après, elle est dans le temps et en observant le monde qui entoure, Zelda acquiert la certitude qu'elle se trouve dans un lointain passé sans moyen de regagner son époque, tandis que Sonia tente de la réconforter, Roro propose de consulter sa sœur Minéru sur les voyages temporels. Mais du coup je comprends pas, Sonia c'est sa sœur ou c'est sa femme? Parce que là si c'est Minéru sa sœur, c'est que Sonia, bon bref, je sais pas. En tout cas, c'est deux Sono. Oui, moi je dis Sono, ne m'en voulez pas. C'est parce que... ouais, ça s'écrit Sono, donc je dis Sono. Ok, bon bah nickel. Nickel, nickel. Je vais voir avec le temps, qu'il y a, enfin, comme c'est la nuit, je pense qu'il n'y a pas moyen de trouver une autre... Alors déjà, il y a un sanctuaire là que je vais ping. Très rapidement. Je l'ai déjà ping, c'est parfait. Ok, nickel. Bon bref, je vais essayer de... Attends, on est à combien? On est à 43 minutes. Bon, pas le temps de faire un nouveau souvenir. Mais par contre, il y a le temps de retourner à la Gazette des Bois pour faire la quête. S'il y a le temps. Je pense qu'il y a le temps. Ok, la Gazette des Bois, donc. Lui, je vais déjà parler. Je vais faire le petit tour, quand même. Le tour du propriétaire. Ça pourrait être sympa. Ok, donc là il y a des fagots, ça c'est, je prends tout, vraiment je suis un radin, je vole tout. Ouais, puis sinon il n'y a rien d'autre. Ah, c'est quoi là? Encore une pomme de pain, d'accord. Il y a pas mal de pommes de pain, effectivement. Ça c'est vrai, il y a pas mal de pommes de pain. Bref, allons voir à l'intérieur. Oh, un piaf. Il me rappelle. Alors il me rappelle dans un dessin animé, le piaf qu'il y a dans... Oh je sais plus quel Disney, mais bref, il me rappelle quelqu'un. Je vais trouver ça tout de suite sur internet. Ouais, il me rappelle un peu Orville, je vais vous mettre une photo tout de suite. C'est dans Bernard et Burke, c'est bien ce que je me disais. Et voilà, il me rappelle un peu lui là, je sais pas si vous voyez, mais c'est dans Bernard et Burke. Voilà, petite info, voilà, il me rappelle lui avec son masque et ses lunettes, voilà, de pilote, bref, trêve de bavardage. Mais ouais, chute, notre rédactrice en chef, Bourgette, est très occupée. Elle prépare le lancement de notre grande enquête sur Dame Zelda. Si tu as des questions, adresse-toi à moi, je suis son assistant en quelque sorte. En tout cas, je suis époustouflé que tu aies réussi à trouver cet endroit pas facile, n'est-ce pas? Bourgette s'est jouée de l'ancien propriétaire pour racheter les lieux. Oh, elle est méchante. À vrai dire, ton sens de l'observation est remarquable.
Ça me donne une idée. Que dirais-tu de devenir reporter et de tenir tête aux forces du mal au nom de la vérité? Si ça t'intéresse, je pourrais parler de toi à Bourgette. Oh, ça suffit! Ben, je te l'ai déjà dit 100 fois, je suis super occupé, alors fiche-moi la paix. Et pour ta gouverne, j'ai racheté ce relais à l'ancien propriétaire en honnête femme d'affaires. Alors arrête de raconter n'importe quoi, je ne me suis pas joué de lui, compris? Compris, désolé, c'est juste qu'il y a ici quelqu'un qui souhaiterait devenir reporter, alors je me suis dit que... Devenir reporter? Voyons voir, on serait pas déjà... Oh! Pen, tu veux bien nous laisser seul un instant? Eh oui, c'est moi, Link. Incroyable, non? Oui, je suis Link. Bon, je sais pas, on l'a... Je vais juste check une info sur deux secondes sur internet. C'est pour savoir si on l'a déjà vu sur, dans Breath of the Wild, parce que ça me dit rien, mais peut-être que c'est une personne importante. Bourgette. Est une journaliste motivée et déterminée à répandre les rumeurs dans tout Hyrule de Breath of the Wild. En effet, celle-ci parcourt tout Hyrule à la recherche de rumeurs intéressantes. Et le plus dans son journal, Bourgette sait tout. Ok. C'est grâce à elle que Link connaît l'existence de l'étude du roi d'Hyrule, les trésors lambda, d'étudier les bonus GLC. On peut trouver sa trace à plusieurs endroits différents, notamment à la cité Gerudo. Elle est en train de demander à avoir des informations sur le danger qui menace la cité et à pouvoir parler à Rijou. À Rijou. Elle partagera avec Link son envie d'écrire un best-seller sur les créatures divines. Une fois Vanaboris libérée, elle se baladera dans la cité Gerudo en recherchant des informations pour son prochain livre sur les Gerudo. Ah oui, c'est vrai. Maintenant qu'on me le dit, c'est vrai que je me souviens d'une dame, d'une fille qui avait... qu'il y avait à Shigerudo. Ça me dit quelque chose. On dirait pas comme ça. Attends, j'ai oublié un texte. Bon, il faut qu'on parle, Link. Tu ne trompes personne et surtout pas moi en cachant ton visage. On dirait pas comme ça, mais je suis la rédactrice en chef de la Gazette des Bois après tout. Proie a émis une requête. Il s'agirait de mener l'enquête au sujet de Dame Zelda. Alors, et toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je sais pas ce qu'est-ce qui m'amène ici, vraiment. MDR, je comprends pas ce qui m'amène ici et Link le dit. J'aime trop. Je comprends mieux. C'est pour ça qu'il y a l'enquête sur les calamités. Calamité. Elle espère trouver des indices et localiser Dame Zelda. Dans ce cas, tu as très bien fait de venir nous voir. Nous recevons toutes sortes d'informations en provenance des quatre coins d'Hyrule. Notamment, il semblerait qu'une personne ressemblant à Dame Zelda ait été aperçue et je voulais justement confier l'enquête à peine ici présent. Je ne préfère pas lui dire que qui tu es, pas la peine d'ébruter l'affaire. Par contre, j'ai l'impression qu'il aimerait avoir un partenaire. Ça te plairait de lui donner un coup de main? Je ne te demande pas de le faire gratuitement, bien sûr, même si ça m'arrangerait. Tu veux bien attendre un instant? Je vais chercher une récompense sympa. Tada! Je te donnerai cette splendide tenue complète de batracien, d'accord? Avec elle, finis les glissades quand tu escalades des parois humides. Tout ce que je demande en échange, c'est donner un coup de main à Pen. D'accord, alors tu vois, je ne me moque pas de toi. Pen, c'est bon, tu peux revenir. Je te présente ton nouveau partenaire. Trop bien. Ah, j'avais donc vu, tes qualités ont également impressionné Bourgette et j'ai l'œil pour ce genre de choses. Ok, renseigner dans les relais, ok. D'accord, faut juste que j'explore un peu pas mal de relais. Je vais voir combien faut que je trouve de relais. Les relais. Ok. Bon bah nickel. Est-ce que t'as une info à me donner? Ok. Dans les relais, d'accord. Bon bah je vais aller dans les relais. Ouais, 48 minutes de rush déjà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Bah, moi je vais m'arrêter là. Prochain épisode sort demain normalement. Dans lequel on va faire cette quête parce qu'elle m'intéresse. Voilà, je vous le dis, elle m'intéresse. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui on a fait pas mal de choses. Au début, je me suis dit, bon, ça va être un épisode un peu vite parce qu'on va juste faire 2-3 souvenirs. Finalement, déjà on en a fait qu'un. Donc ce qui est cool, c'est que ça étale un peu les souvenirs. Et en plus de ça, bah, on a fait d'autres choses. On a tué un Linel, on a exploré toute cette zone là, on a découvert des sanctuaires, on a fait la Gazette des Bois, on a fait pas mal de choses différentes. Et ça, c'est cool. On a varié les plaisirs. Et ça, c'est cool. Et bah, la prochaine fois, on explorera pas mal de relais. On se fera peut-être un nouveau souvenir. Je retournerai en off au temple oublié pour voir un autre souvenir à aller voir. Et j'irai là-bas. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage comme d'habitude, le petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire ou quoi que ce soit, et voilà. Merci encore, tchuss.